Bonjour. Qui est là? 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 Candidat approché. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Bonjour. Ça va? Vous allez bien? C'est le Apoujou National, la Brest de Val, le miel de Paris, le paracétamol, le viking, le berger et tout ce qui va avec. On te parle du guide, on te parle du paracétamol, on te parle du viking, on te parle du Adama, Adama. Ouais, partagez la famille. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous conter une histoire. Voilà. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que les brebis égarées sont là? Brebis. Petit brebis. Mignon brebis. Brebis, brebis. La famille. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont les traîtres, appelés les brebis égarées. Tous ceux qui sont jaloux, appelez brebis égarées. Tous ceux qui ont la haine pour leur prochain, appelez-les les brebis égarées. Tous ceux qui n'aiment pas voir l'évolution de leurs camarades, appelez-les les brebis égarées. Tous ceux qui vocifèrent, qui vocifèrent, qui vocifèrent, appelez-les les brebis égarées. Tous ceux qui se lentent, les... Adam. Brebis. Bonjour, partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà, c'est le Apoutou National. Je me suis bien réveillé dans la paix du Seigneur. Là où je vous parle, là, j'attends mon clip qui sera dans ma main tout à l'heure. Je vous dis, à partir de vendredi prochain, le clip sort. Le clip de la gloire. Pendant que d'autres vocifèrent, d'autres travaillent. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on répond aux brebis égarées que par un coup de matraque. Et ce coup de matraque, c'est quoi? C'est le travail. Est-ce que les brebis égarées sont là? Les brebis. La famille, mes brebis ne sont pas sorties matin. Hein? Voilà. Je venais juste aux nouvelles pour savoir est-ce que mes brebis égarées sont sorties ce matin. Parce que depuis là, je n'ai pas encore reçu de message. Je me réveille le matin, je ne sais pas où sont mes brebis. Donc, si vous avez vu un brebis là-bas, pardonnez, dites-lui que je lui donne l'ordre de sortie. Dites à mes brebis égarées que papa leur donne l'ordre de sortie. Est-ce qu'ils peuvent? En France, le vieux, je vais accélérer le bara. Faut pas les voir. Tiens-vous. Faut laisser mes brebis égarées. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai trouvé le nom. Le nom. C'est que c'est le nom idéal, Adama. Quand Dieu veut te donner une révélation pour surnommer les gens qui n'aiment pas voir leurs frères évoluer, c'est le petit nom là. Les brebis égarées. Quelqu'un dit brebis. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit brebis égarées. Et puis les gens eux-mêmes là prennent l'étiquette pour mettre sur eux Adama. On peut mettre le nom brebis égarées comme ça. Non mais. Oh, il y a des gens qui savent rien. On dit brebis égarées. Il y a des gens qui se sentent concernés dans brebis égarées là. Aïe. Donc toi, tu fais partie des brebis là. C'est le nouveau nom. Vous savez que moi là, j'aime innover. Vous savez que moi là, j'aime toujours me surpasser. J'aime aller de l'avant. Vous savez que moi là, je ne me limite pas forcément à là où je suis. J'aime toujours me surpasser. J'envoie nos brebis égarées, les gens se sentent concernés. Mais est-ce que j'ai dit nom de quelqu'un? J'ai dit brebis égarées. Où sont mes brebis? Est-ce qu'ils sont là? Mes brebis ont mangé. Vous allez bien? Toi, tu es à Abidjan. Tu n'as jamais pris avion. Tu n'as jamais voyagé. Tu ne connais même pas la route de ton village. On te laisse à Abidjan. Et puis on te dit, bon, Vanessa, je vais planter ton arbre en Israël. Tu vas gagner l'argent. C'est vrai que c'est qu'en Afrique, où tu restes en Afrique, et puis on te vend. Arbre qui est dans le pays des Blancs, c'est-à-dire Israël, c'est l'Europe. Tu restes en Afrique, tu es dans ton petit gigolo. Au lieu de travailler, te battre,
de mettre Dieu au devant, pouvoir te surpasser. Toi, tu restes dans ton petit village. Et puis, quelqu'un vient te dire, on va planter ton arbre en Israël. Arbre des richesses. Jésus même, il est étonné, Adam. Donc, il y a arbre en Israël qui donne l'argent. Et puis, les Israéliens, eux-mêmes, se cherchent en France ici. Mais vous savez, souvent, parmi les brebis égarées, là, il y a d'autres même qui sont plus égarés. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un homme qui est conscient, un homme qui est normal, un homme qui a une circonscience, c'est que un homme qui est pourvu d'intelligence, on peut te dire, je vends médicaments. Médicaments pour que tu puisses te marier. Mais pourtant, le féticheur lui-même, là, personne n'est marié dans sa famille. Brebis, les brebis, la famille, vous savez, sachez faire la part des choses dans la vie. Il est très important. Dieu ne va jamais descendre du ciel pour vous parler. Hein. Il passera toujours par des humains pour vous parler. J'ai fait sortir ma matraque. Mais cette matraque-là, c'est que pour mes brebis. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui vont venir à gauche, à droite. Vous savez, dans la vie, je suis comme un policier qui cherche le grand dealer. Vous savez, à la police, là, lorsque les policiers mènent une enquête, ils ne cherchent pas à regarder les petits vendeurs dans les quartiers. Non. Eux, les proies, là, c'est celui qui livre. C'est-à-dire que celui par qui passe le canal des brebis égarées, là, c'est celui-là même que moi, je cherche. C'est-à-dire que quand une fois que tu as déjà eu la tête, mais on dit que tu as déjà mis la tête, c'est pas pire, tu vas avoir peur de manger. On dit que tu as déjà mangé la tête du chat. Bon, toi, tu as peur de pied de chat. Tu as mangé tête là. Tu n'as pas eu peur. Toi, c'est pied là qui va avoir peur. Adam, toi aussi. Je suis comme un policier. Donc, vous savez, les policiers, quand ils mènent les enquêtes, quand les policiers mettent les enquêtes, ils n'aiment pas les petits vendeurs du quartier. C'est que, vous voyez, parmi mes brebis, il y a des petits dedans. C'est comme, on dit, il y a agneau. Et puis il y a mouton. Agneau là, c'est enfant de mouton. Et puis il y a mouton. Donc vous savez, parmi mes brebis, il y a des enfants. Donc les enfants qui vocifèrent là, ça c'est mes petits brebis. Je les laisse grandir un peu d'abord parce que eux, je ne peux pas venir perdre mon temps pour m'asseoir pour parler. Vous savez? Voilà. Maintenant, la tête du brebis là. La tête du brebis là. C'est cette tête là. Vous voyez, quand je l'ai fini de manger la tête. Les enfants qui sont à côté, qui sont en train de vociférer, qui cherchent à se faire connaître. Dans la vie, il faut laisser les gens se faire connaître aussi, vous aussi. Pourquoi vous faites les choses comme cela? Dans la vie, quelqu'un qui prend ton nom pour se faire connaître. Mais laisse-le. Nous tous, on est passé par là. Mais sauf que la différence, il y a les gens, eux, ça fait 5 ans. Eux, ils sont toujours passés par là, mais ils ne sont jamais arrivés. Mais il y a d'autres qui arrivent. Mais très vite, et puis ils passent par là, et puis ils arrivent. Je ne sais pas si vous comprenez le proverbe, hein. La famille, partagez-moi le direct là, s'il vous plaît. Parce que papa va parler ce matin. Partagez le direct. Voilà, je suis couché un peu dans ma chambre ce matin, dans la paix du Seigneur. Et comme vous le savez très bien, Dieu n'inspire pas les gens dans le hasard. J'étais assis, et puis j'ai composé ma chanson. J'ai dit, au début, quand j'ai commencé, les gens se disaient, mais lui là, il sort d'où? En même temps, on a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là m'ont lapidé jour et nuit. Mais comme on ne lapide que l'arbre qui porte le bon fruit. Voilà pourquoi j'ai bataillé, oh, bataillé, bataillé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête de l'eau. Les gens essayent de me tirer derrière lorsque tu te bats pour pouvoir y arriver. C'est là que tu verras les brebis égarées sur ton chemin. Les pharisiens, ils vont lutter pour pouvoir t'enterrer. Mais comme Dieu a sa mère sur toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver à Boudjou. À Boudjou, à Boudjou national, désormais artiste et chanteur, voilà pourquoi je le dis. C'est Dieu qui bénit, qui a envie de bénir, oh, Atea, oh, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, oh, la vie là-haut, 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 c'est devant, yo. La chanson, ça là. Mes propres brebis égarées l'ont chanté, mais sans toutefois savoir d'où vient l'inspiration de la chanson. Vous savez, dans la vie, j'aimerais d'abord rassurer ici tous mes abonnés. Voilà.
qui m'écrivent depuis ce matin. Apoutchou National, tu n'es pas dans clash. Retenez une seule chose. Moi, je ne fais rien avec clash. Je suis le guide. Je suis celui qui dirige le troupeau. Mais souvent, il est très important que le guide vienne mettre souvent le troupeau à sa place. Vous savez, lorsque vous avez deux chiens, et il y a un chien qui est très nerveux, le chien, là, lui, ne fait qu'aboyer. Il pense que lui, il est le maître de la maison. Souvent, il faut prendre ton bâton pour venir chicoter le chien. Là, pour qu'il sente qu'il n'est pas le maître. Parce que comme tu ne parles pas, il pense qu'il faudrait qu'on marche là-dessus. Comme tu ne dis rien, ils vont te prendre comme en bas de tapette. Non, ce petit-là. Non, ce petit-là. Non, ce petit-là. Pourtant, ce petit-là, s'il décide de sortir, ça ne sera pas du jeu. Mais comme j'ai une vision lointaine, comme je vise tellement loin, et comme j'ai un avenir vraiment glorieux devant moi, il est préférable pour moi de pouvoir écarter ces brebis égarées là sur le côté gauche et puis marcher avec les enfants du Seigneur sur la terre promise. Mais souvent, je vais m'arrêter au 20e étage pour lancer des petits arbres, des petits zèbres à mes petits brebis égarées qui sont en bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, soyez sans crainte. C'est le guide, c'est le Apoutchou National, c'est le paracétamol. La preuve en est, mais voilà qui est là. Nous, on a une seule page, en fait, direct. On a 3000 et quelques personnes connectées. C'est nous, on appelle les guides. C'est de ça qu'il s'agit. Vino Zerbo, c'est comment mon fils. Je salue Belém et Principe, Mucho Priston, Daros. Je salue ici Ayepa, Amara Bamba. Je salue Tchete. Je salue tous mes frères et amis de Paillé. Vous êtes ma force. C'est vous qui avez contribué à l'évolution d'Apoutchou National. Je n'oublierai jamais la terre qui m'a vu grandir. C'est Paillé, Adjamé. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble jusqu'à Las Caras. Que Dieu bénisse tous les habitants de Paillé. Dans ma prochaine chanson qui va sortir là, je vais faire un big up à Paillé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, voilà. Ma belle Flora Emporio. Vous voyez la fille là? Elle est fan d'Apoutchou National, Flora Emporio là. Erika fait dire comme ça. Regardez ses commentaires. Un clic ou un clic. Voilà. Je vous informe que le vendredi prochain, mon clip sort. Voilà. Le vendredi prochain, à partir de 18h. Le vendredi à 18h, le clip va sortir. Voilà. Ça sera un clip de la gloire, un clip digne de ce nom-là. Vous savez, c'est une carrière musicale qui commence. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et j'aimerais déjà dire ici, dans toutes mes chansons qui vont sortir, à chaque fois, je vais chanter le nom d'un blogueur, que je parle avec cette personne ou pas. C'est une manière pour moi d'honorer mes combattants d'âme. Pour les dire, je ne les oublie pas. Mais je me lance dans une carrière musicale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans ma prochaine chanson qui va sortir, là, je vais dire le nom d'un blogueur. La troisième chanson, je vais dire le nom d'un blogueur. La quatrième chanson, je vais dire le nom d'un blogueur. Jusqu'à ce que je dise le nom de tous les blogueurs. Donc, à tous les blogueurs, sachez que chacun d'entre vous aura son nom. Même si je ne m'appelle... Même si la personne fait partie de mes brebis préférées, voilà, je dirais quand même son nom. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on dit quoi, la famille? Vous allez bien? Voilà. Vous savez, j'ai épinglé un lien là. Voilà, c'est le lien de ma chanson qui est là. Donc, cliquez là-dessus pour aller regarder. C'est de ça qu'il s'agit. Brebis, mes brebis égarées, est-ce que vous allez bien? Je ne vois même plus de commentaires. Écrivez les commentaires, écrivez les commentaires. Écrivez les commentaires. Nous sommes 3700 personnes connectées. Écrivez les commentaires, s'il vous plaît. Commenting. Smarty, on dit quoi? Tu vas bien, Smarty? Voilà, c'est le Apoutchou Pacha, c'est le guide, c'est le paracétamol, c'est le Vekin. Donc la famille, comme je le disais tantôt, voilà. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où chacun lutte pour pouvoir chuter l'autre et pour pouvoir avoir le trône de roi, de maître et de seigneur. Mais il y a d'autres personnes aussi qui sont assis dans le néant, mais qui se battent matin, midi, soir, dans le but de sortir la tête de l'eau. Vous savez, j'aimerais dire ici à tous mes abonnés, Dieu ne descendra pas du ciel dans le but de vous parler. C'est pourquoi il a dit, je vous ai tout donné. Dans la Bible, il est écrit, aide-toi et puis le ciel t'aidera. Donc, on ne peut pas jouer de ton intelligence. Jouer, c'est-à-dire que de ta vision, jouer de ton mental. Et puis, tu es assis et puis tu ne dis rien.
Tu remues la tête comme un mouton et tu dis oui, amen à tout ce que tu entends. Le problème de l'Africain, c'est que nous courons tous derrière le miracle. Parce que pour l'Africain, au fait, sa vie va changer lorsque un miracle va s'accomplir dans sa vie. Mais pourtant, chaque jour que Dieu fait dans ta vie est un miracle. Te lever, te battre, aller te chercher, travailler, fléchir genoux et demander au Seigneur de t'accompagner, c'est un miracle. Mais lorsqu'on dit, il y a telle personne qui fait miracle, nous courons tous comme des animaux pour aller là-bas. Lorsqu'on dit, il y a telle personne qui fait un miracle, nous courons tous comme des animaux pour aller là-bas. Pourtant, nous pouvons nous asseoir et puis nous demander, mais Seigneur, tu as dit, tu nous as créés à ton image, ce qui veut dire que tout homme sur cette terre-là est créé à l'image de Dieu. Ce que tu as mis chez mon voisin, c'est la même chose que tu as mis chez moi. Mais comment se fait-il que je dois d'abord passer par quelqu'un dans le but de pouvoir m'adresser à toi et avoir un salut ou un changement de statut de vie? Pourtant, tu as dit, frappe à ma porte et je vais t'ouvrir. C'est pour vous dire, dans la vie, il y a des choses qui sont tellement simples que Dieu vous les montre. Souvent, parmi ces brebis égarées, là, il y a d'autres mêmes qui vous parlent la vérité. Mais comme beaucoup sont voilés et sont à la recherche d'un avenir meilleur, soit ils veulent des enfants, ils veulent se marier, ils veulent voyager, ils veulent être riches. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de certains brebis égarés connaissent la souffrance que vivent les Africains. Parce que nous, les Africains, nous avons tous le même problème. Je veux enfanter, je veux voyager, je veux être riche, je veux être guéri. Voici les 5 ou les 4 choses qui poussent l'homme noir à aller à l'église. L'Africain ne partira jamais à l'église dans le but d'honorer Dieu. Mais quand l'Africain va à l'église, c'est parce qu'il attend quelque chose en retour de Dieu. Même lorsque tu pries, tu ne pries pas dans le but de glorifier Dieu. Mais nous prions toujours et nous demandons toujours quelque chose à Dieu. L'Africain, lui, prie avec intérêt. Voici pourquoi certains d'entre nous, leurs vies ne vont jamais changer. Parce que nous sommes toujours dans le demander. Demander. Mais c'est à quel moment tu vas t'arrêter pour dire, qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Et qu'est-ce que je peux donner au Seigneur? Je suis sidéré de voir qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est conscient peut aller acheter huile pour dire, je vais devenir riche. Je suis sidéré de voir aujourd'hui que quelqu'un qui est normal peut aller acheter huile pour dire que je vais me marier. Pourtant, quand tu sors dans la rue, là, les gens te draguent. À qui tu refuses de donner ton numéro? Bon, c'est Jésus qui va descendre du ciel pour venir te marier, moi. Ou bien c'est ceux qui te draguent en longueur de journée là qui vont venir te marier. Ce soir ici, je parle à mes abonnés à cœur ouvert. Voilà. Je vous parle parce que j'ai été mis en cœur de parler. Vous savez, toutes mes sorties, j'ai comme l'impression que c'est Dieu qui me guide. Et c'est Dieu qui parle à travers moi. Tu es assis chez toi à la maison. Tu ne te lèves pas pour aller travailler, ni pour aller chercher travail. Mais tu t'assois et puis tu dis, je veux être riche. Comme si la richesse tombera du ciel et va venir se coucher sur ton lit. Tu es couché chez toi à la maison. Et puis tu regardes le ciel, tu dis, Seigneur, j'ai faim, j'ai envie de manger. Et puis tu ouvres ta bouche, et puis Dieu fait passer la nourriture du ciel pour faire rentrer dans ta bouche. C'est seul sur l'Africain, on peut voir ça. Tu as envie de manger, il faut aller travailler. Celui qui a envie de manger du riz, doit s'aimer du riz. Celui qui a envie de manger du manioc, doit s'aimer du manioc. Celui qui a envie de manger de l'igname, doit s'aimer de l'igname. Mais tu ne peux pas t'asseoir et puis vouloir quelque chose. Et puis en attendant que Dieu te les envoie du ciel. La famille africaine, réveillez-vous. Ces brebis égarées-là nous ont trop fatigués. Ces brebis égarées-là nous ont trop menti. Ces brebis égarées qui se cachent derrière le visage du Seigneur, habillées en Prada pour venir nous mentir et nous appauvrir. Prends notre conscience, prends notre argent. Aujourd'hui, nous devons nous réveiller. Nous réveiller dans le sens que nous sommes des dieux vivants sur la terre parce que Dieu habite en nous. Dieu a dit, je crée l'homme à ton... Créons les hommes à notre image. Nulle part il est écrit, créons un homme de Dieu à notre image. Ni créons un pasteur à notre image. Ni créons un prophète à notre image. Il est écrit, créons l'être humain à notre image. Ce qui veut dire, nous sommes tous des semblables du Seigneur. Dieu habite en tout et chacun de nous. C'est pourquoi moi aujourd'hui, souvent ma maman me demande, mais Stéphano, vous savez, quand j'étais petit, depuis que j'ai été baptisé, parce que je suis né le 24 décembre,
Vous voyez? Voilà. Je suis né le 24 décembre. Et souvent, quand j'étais un peu plus jeune, là, ma maman partait à l'église matin, midi, soir. Elle s'en va prier avec mon papa. Mais pendant que ma maman partait prier, là, moi, je restais toujours à la maison. Maman me disait, mais Stéphano, pourquoi quand toujours on va à l'église, là, tu ne viens jamais avec nous? J'ai répondu un jour à ma maman, j'ai dit, Dieu habite dans cette maison, c'est parce que tu ne le sais pas. Je répète encore pour que vous compreniez. Ma maman s'est levée un jour. Chaque jour que Dieu fait, s'élève. Elle s'en va prier. Quand elle s'élève, elle va et prie. Chaque jour que Dieu fait, elle donne l'argent, elle donne les cadeaux, elle fait ceci, elle fait cela. Mais un jour, elle est rentrée, elle m'a dit, mais Stéphano, pourquoi à chaque fois je m'en vais prier là? Je m'en vais à l'église. Je m'en vais toujours dans telle église. Parce qu'elle, à chaque fois, elle partait d'église à l'église, hein, ma maman. Elle partait de n'importe quelle église. Elle va d'église catholique, d'église évangélique, dans telle église. Quand on dit à telle chose, elle va là-bas. Quand on dit à telle chose, elle va là-bas. Et un jour, elle me demande, mais Stéphane, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je vais à l'église, là, tu ne me suis pas? Je lui ai dit, maman, c'est parce que tu ne sais pas que Dieu habite dans cette maison. Si tu savais que Dieu habitait dans cette maison, tu n'allais même pas chercher à aller courir d'église en église. Le Seigneur se trouve dans toutes choses que nous faisons. Tu peux faire de ta maison une église et le temple de Dieu. La famille, tu peux faire de ta maison une église et le temple de Dieu. Ça dépend de comment est-ce que tu fléchis genoux pour adorer le Seigneur. Dieu n'habite pas dans une église. Dieu, là, il n'habite pas dans une église. Il n'y a pas un point spécifique où tu vas aller trouver le Seigneur. À chaque fois que tu marches dans la rue, à chaque fois que tu poses un pas, à chaque fois que tu te réveilles, à chaque fois que tu te brosses, à chaque fois que tu te laves, il faut savoir que Dieu est auprès de toi. C'est parce que tu ne le vois pas. C'est parce que nous avons une autre vision du Seigneur que nous sommes en train de vociférer matin, midi, soir, en train de courir d'église en église, de mosquée en mosquée, cherchant le salut, cherchant la richesse, cherchant le bonheur, cherchant les choses du monde. Mais le jour où tu vas t'asseoir et tu vas analyser, de savoir que Dieu habite chez toi à la maison. Dieu dort chez toi à la maison. Et à chaque fois que tu te réveilles, c'est une grâce de Dieu. Et que fléchis genoux et puis prier ton Dieu, toi-même. Parce que, vous savez, on dit dans la Bible que le salut est personnel. Ce qui veut dire, même le jour du jugement dernier, tes parents qui t'ont mis au monde là, ne vont pas plaider pour toi devant le Seigneur. Le jour où tu vas mourir là, tu seras face à ton Créateur, tu seras seul. C'est pourquoi on dit dans la Bible que le salut est personnel. Aucun homme de Dieu sur cette terre ne pourra plaider pour toi le jour du jugement dernier. Mais tu seras face à tes actes que tu as posés dans ce monde-là. Et c'est en fonction de ça que Dieu va les analyser dans le but de t'offrir le paradis ou bien de t'offrir l'enfer. Parce que moi, je crois en l'enfer, je crois au paradis. Je sais que dans ce monde dans lequel nous vivons là, si je me lève le matin que je passe, c'est parce qu'il y a un Dieu suprême qui existe. Je sais qu'à chaque fois que je sors dans la rue et que je marche, et puis je sors, je rentre à la maison là, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a veillé sur moi. Nous ne sommes pas mieux que quelqu'un sur la terre ici. Lorsque nous avons dormi hier là, il y a des milliers de personnes qui ont perdu la vie hier. Nous sommes réveillés ce matin, pas parce que nous sommes mieux que ces personnes qui y sont mortes hier, mais c'est parce que Dieu nous a fait grâce de nous réveiller le matin. Donc ce qui veut dire, à chaque fois que tu te réveilles le matin là, il faut te dire que Dieu habite chez toi à la maison. Mais tu ne peux pas le confier ta vie à un homme de Dieu, ta vie à un pasteur, jusqu'à même oublier même ta famille, oublier tes enfants. Quand je vois aujourd'hui certains mamans dormir dans l'église, oublier leur foyer, et puis elles sont étonnées de voir leur mari sortir avec des jeunes, leur mari quitter la maison, et puis ils sont là que non, c'est le diable, c'est le diable. Mais tu parles de quel diable? De quel diable parles-tu? J'aimerais savoir. Tu laisses ton mari à la maison et toi tu dors à l'église. Mais qui va s'occuper de ton mari? Tu laisses tes enfants à la maison au lieu de les éduquer. Toi, quand tu te réveilles le matin, tu prends la Bible. Je m'en vais dans tel ministère. Il y a tel évangéliste aujourd'hui qui doit prier. Il y a tel homme de Dieu aujourd'hui qui doit prier. On dit, il y a tel miracle là-bas. Tu sors le matin à 10h, tu rentres à 21h. Mais pendant ce temps, ton mari mange comment? Pendant ce temps, tes enfants-là, ils s'éduquent comment? Pendant ce temps-là, toi, ta famille devient quoi? Mais nous passons toute notre vie à aller courir de église en église, de pasteur en pasteur. Il y a un miracle là-bas, vrr. Il y a un miracle ici, vrr. Il y a un miracle ici, vrr. Comme si le monde même était créé par miracle. Dieu n'a pas créé le monde par miracle. Je ne crois pas au miracle, mais je crois à un Seigneur qui peut faire quelque chose dans ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est malheureux de voir l'Afrique. C'est pitoyable
de voir aujourd'hui les Africains. On dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est chez nous en Afrique que le culture est né. C'est nous qui avons créé le culture. Mais je ne peux pas comprendre que comment l'Africain peut être aussi retardé mental pour s'asseoir et puis te dire que toi, ton mariage peut venir de l'huile. Mais il faut être fou. Il faut être fou de penser que ta richesse peut venir d'une huile. Il faut être fou de penser que ton voyage peut venir d'une huile. Il faut être fou de penser que quand tu vas te réveiller le matin, avant que tu ne sortes, il faut frotter huile sur toi. Tu as déjà vu quel homme qui a frotté huile sur lui, qui est sorti dans la rue, qui est devenu riche. Il faut être fou mentalement. Il faut être fou mentalement de savoir que toi, tu vas te réveiller, te promener dans la rue. Que toi, tu es là, tu ne travailles pas. Tu ne fais pas d'effort dans le but d'avancer. Tout ce que tu vois autour de toi, ça te nerve. Tu as la haine vis-à-vis de ton prochain. Et puis, on te dit que non, voici huile pour que toi, tu n'as qu'à devenir riche. Adama. Donc, si huile rendait riche, là, toi, tu penses que tu allais être riche et puis les autres allaient rester en arrière. Dis-moi. Si huile rendait riche, toi, tu penses que tu pouvais rester en arrière. Et puis, toi, huile va te rendre riche. Qu'on a, j'ai huile pour qu'on se marie. Quand toi-même tu réfléchis là, Dieu a créé les êtres humains sur la terre. Quand toi-même tu réfléchis là, ma soeur, quand toi-même tu t'assois et puis tu analyses, tu regardes ta vie, regardez-vous souvent dans un miroir et puis posez-vous des questions. Tu es sûr qu'on peut te donner huile pour que toi tu n'as qu'à gagner mari. Toi tu es sûr. Mais quand tu te promènes dans les rues là, les hommes que tu vois là, tu ne peux pas draguer un. Est-ce que tu as besoin de réfléchir? On a besoin de te donner huile d'abord, de mariage, avant que toi tu vas aller draguer quelqu'un dehors. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'une femme. Moi, je vais aller prendre huile pour avoir femme, quoi. Mais quand je me promène dans la rue, là, il y a les femmes qui sont là. Si j'ai dragué un, que un a refusé, je vais draguer l'autre. Si j'ai dragué deux, que deux a refusé, je vais draguer troisième. Il y a femme, il y a garçon. Toi, on dit non, voici huile pour que tu n'as qu'à te marier. Et puis, tu es mouton, tu t'en vas acheter. On dit à côté de toi, là, il y a des jeunes qui ramassent poubelle. Vous pensez que les jeunes petits djoula, mes frères djoula, que je... vous savez, dans la vie, moi j'aime tellement les djoula parce que il n'y a pas plus battant que les djoula. Le petit djoula se lève le matin, il s'en va rouler son baka. Vous pensez qu'il ne connaît pas où on s'en va prendre huile pour aller devenir riche? Le petit djoula se lève le matin, elle s'en va vendre son eau sur la route. 10 francs, 10 francs. Un matin, tu te réveilles, on dit la personne a construit magasin. 3 ans après, la fille est en train de partir à Dubaï. 5 ans après, elle va en Chine. Dans 10 ans, elle a construit un meuble. Mais toi, tu es assis chez toi à la maison. Et puis, tu veux que Dieu n'a qu'à te donner l'argent. Dieu n'a qu'à te rendre riche. Dieu n'a qu'à te donner la vie éternelle. Dieu n'a qu'à te rendre prospère. Dieu n'a qu'à te donner l'enfant. Dieu n'a qu'à te donner le mariage. Mais comment tu peux réfléchir d'une manière aussi négative? Je n'arrive pas à comprendre. Ce soir ici, je m'adresse à tous mes abonnés. Parce que je pense que j'ai été mis en cœur ce matin dans le but de vous parler. Ce n'est pas à chaque fois que je ferai ce genre de direct-là. Ce n'est ni un direct à caractère de spiritualisme. C'est-à-dire vouloir chercher à rentrer dans je ne sais quoi. Vous savez, la bassesse et moi, nous ne formons plus un. Parce que j'ai laissé la bassesse derrière il y a très longtemps. Aujourd'hui, je suis devenu un artiste chanteur. Je suis aujourd'hui la voix du peuple. Parce qu'à travers mes chansons, je dois instrumentaliser le peuple, mais de manière positive. Je dois donner des conseils de manière positive. La famille, j'aimerais vous dire ce soir ici que Dieu existe. Celui qui va vous dire que Dieu n'existe pas, c'est un menteur. Mais ça dépend de comment est-ce que toi, tu attends le nom Dieu dans ton oreille et dans ta tête. Ça dépend de comment est-ce que toi, tu attends le nom de Dieu dans ta tête. On dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique. Vous savez, il y a un passage de la Bible qui me plaît tellement, où on dit, le jour du jugement dernier, certains hommes de Dieu viendront dire, mais Seigneur, n'avons-t-ils pas prêché à ton nom? N'avons-t-ils pas évangélisé à ton nom? N'avons-ils pas converti des âmes à ton nom? N'avons-ils pas envoyé tes fils et tes filles à ton nom? Et Dieu leur dira, éloignez-vous de moi, démons, car je ne vous ai point connu. Ce n'est pas toutes les personnes qui parlent de Dieu qui viennent de Dieu.
C'est pourquoi la Bible a écrit, avant la fin du monde, il y aura beaucoup de faux hommes de Dieu qui viendront prêcher à mon nom, mais ne viendront pas de moi. Vous savez, en 2009, Jay-Z, si vous connaissez Jay-Z, le mari de Beyoncé, là, dans une vidéo, il a dit, ils lui ont posé une question de savoir est-ce qu'il croit en Dieu. Et il a répondu en disant que si Dieu existe là, Dieu n'a qu'à le rendre pauvre. Mais jusqu'à aujourd'hui, il continue d'être l'un des hommes les plus riches de la terre. Ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas, mais c'est parce que Dieu fait toutes choses à son temps. Ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas, mais c'est parce que Dieu fait toutes choses à son temps. Souvent, Dieu ne peut pas vous frapper dans ce monde, mais il va vous frapper au-delà, de là où vous ne pouvez pas imaginer. Je répète encore pour que ça rentre dans votre oreille. En 2009, Jay-Z a fait une vidéo où il a dit, où lui ont posé une question, si vous le savez très bien. Il a dit, le journaliste lui a posé une question de savoir, est-ce que vous croyez en Dieu? Et il a répondu en disant, si Dieu existe là, Dieu n'a qu'à lui le rendre pauvre. Mais jusqu'à aujourd'hui là, il est l'artiste le plus riche du monde. Ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas. Donc aujourd'hui, quand vous voyez des personnes se moquer de la parole de Dieu dans le but d'appauvrir le monde et puis continuer de devenir toujours riche là, c'est pas parce que Dieu n'existe pas. Quand vous voyez aujourd'hui des personnes qui se cachent derrière le visage de Dieu pour appauvrir le peuple, pour appauvrir la population, pour mentir et dire des passages bibliques qu'eux-mêmes ils ont créés là, c'est pas parce que Dieu n'existe pas. C'est parce que Dieu fait toutes choses à son temps. On dit le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, aucune personne ne peut l'arrêter sur cette terre. Le jour que Dieu viendra te visiter, là, personne ne pourra l'arrêter. Personne ne peut arrêter Dieu. C'est comme la mort. Le jour que la mort décide de venir te prendre, là, personne ne peut arrêter la mort. On ne négocie pas ça. Le jour où il dit de venir, là, il va venir te prendre. Tout le monde n'a qu'à se lever. Il va te prendre. Parce que ton jour est arrivé. J'aimerais demander à tous les Africains de travailler. Battez-vous pour vos rêves. Battez-vous pour vos ambitions. Battez-vous pour ce que vous avez de plus cher. Croyez en vous avant que le monde ne croie en vous. C'est un message très fort que je lance ce matin. Lorsque tu te réveilles le matin, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord de fléchir genoux et dire merci à Dieu. Le simple fait que tu t'es réveillé le matin. Parce que lorsque tu as dormi la veille, beaucoup de personnes ne sont pas réveillées. Mais quand tu finis de fléchir genoux, après avoir dit merci à Dieu, il faut dire à Dieu de te guider sur la terre promise. Vous savez, ma plus grande prière que je fais tous les jours, lorsque j'ai envie de prier, et que ça se passe en 2 et en 3 minutes, même pas en 3 minutes, c'est que chaque jour que je fais une prière de 10 secondes. Je vais vous dire cette prière que je fais là. Je dis toujours, Dieu, ce que tu veux faire de moi là, il faut faire, je vais voir. C'est ce qu'il dit toujours à Dieu. Ma seule prière, quand je fais tous les jours que Dieu fait, je dis, Dieu, ce que tu veux faire de moi là, il faut faire, je vais voir. Où tu veux m'envoyer là, il faut m'envoyer, je vais voir. Ce que tu veux accomplir par moi, le message que tu veux faire passer au monde entier à travers moi là, Seigneur, il faut l'accomplir, je vais voir. Où tu veux m'envoyer sur cette terre là, Dieu, il faut le faire, je vais voir. Si c'est la richesse, roi. Si c'est d'envoyer le peuple africain à pouvoir sortir la tête de l'eau, roi. Si c'est d'envoyer mes frères à changer de mentalité, roi. Mais Dieu, ce que tu veux faire de moi, là, faut faire, je vais voir. Accomplis ce que tu veux faire de moi. C'est ma prière que je fais chaque matin. Puis je me lève, je m'en vais. Parce que je sais que dans ce monde-là, rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas décidé. Je n'ai pas marabout, je n'ai pas féticheur. Dans ma famille, il n'y a pas féticheur, il n'y a pas marabout. On ne connaît pas ça. Dans ma famille, là, on ne connaît pas marabout, on ne connaît pas féticheur. On connaît qu'un seul Dieu, qui est un Dieu suprême, qui est assis sur son trône, qui voit toutes choses et qui entend toutes choses. La famille, si tu penses que Dieu n'existe pas, je vais vous donner un conseil. Souvent, mettez vos écouteurs dans vos oreilles et puis baladez-vous à une heure où le vent est glacé. C'est-à-dire souvent, là, faites évader vos âmes. Faites comme les motards, vous voyez.
Les motards, par exemple, là, quand ils ont envie de s'évader, là, ils prennent une moto et puis ils roulent. Parce qu'ils savent que quand ils roulent la moto, là, c'est comme s'ils s'envolaient. Son esprit s'évadait. Je vais vous donner un conseil ce soir-là. Prenez un écouteur. Mettez une musique dans votre oreille. Et puis baladez-vous, c'est-à-dire à partir de 20h où le soleil est couché, là. Mettez un écouteur et puis baladez-vous dans la rue. Évadez votre esprit et puis regardez l'environnement dans lequel vous êtes ou dans lequel vous êtes. Vous allez voir la présence du Seigneur. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui là. Prenez un écouteur, mettez dans votre oreille, mettez une musique. N'importe quelle est la musique. Qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit une musique coupée, décalée, quelle que soit la musique. Mettez-la dans votre oreille et puis marchez dans la rue. Et regardez l'environnement dans lequel vous êtes ou dans lequel vous êtes. Regardez les gens autour de vous. Regardez les arbres. Regardez la nature. Regardez les voitures. Regardez les animaux. Regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Vous allez voir qu'il y a un Dieu qui existe. Quand tu vas finir d'évader ton esprit et que tu vas rentrer à la maison, tu vas te laver, tu vas te coucher. Quand tu vas te réveiller le matin, tu seras une personne nouvelle. Parce que tu auras vu véritablement la présence de Dieu. Aucune personne ne pourra voir la face du Seigneur visuellement comme ça pour dire j'ai vu Dieu étant comme un être humain. Mais tu pourras voir Dieu à travers toutes choses que tu vois dans la rue, dans la nature. Même quand tu regardes ta télécommande, tu peux voir Dieu à travers cette télécommande-là. Quand tu regardes ton frère, ton semblable, tu peux voir Dieu à travers ton semblable. La famille, ne cotisez pas la haine dans votre cœur. Parce que la haine est la seule chose qui va vous éloigner du Seigneur et du paradis. Quel que soit ce que les gens vous feront dans ce monde-là, ne leur souhaitez jamais malheur ni la haine. Quelle que soit la méchanceté des êtres humains, ne changez pas votre nature. C'est comme un jour, je draguais une femme et puis elle m'a dit, je suis tellement dessus des hommes que je préfère rester seul. Ce mot était tellement fort, je lui ai dit, Roméo t'a trahi. Sylvain t'a trahi. Ange t'a trahi. Cédric t'a trahi. Mais qu'est-ce qui prouve que Karim ne sera pas l'homme de ta vie? Je répète encore. Un jour, j'ai dragué une femme et la femme m'a dit, je suis tellement dessus des hommes que je préfère rester seul. Et je lui ai répondu, Jacques t'a trahi. Roméo t'a trahi. Sylvain t'a trahi. César t'a trahi. Mais qu'est-ce qui prouve que Karim ne sera pas l'homme de ta vie? Quel que soit ce que les êtres humains feront contre vous, que ce soit en bien ou en mal, ne changez jamais votre nature. Restez toujours digne dans votre botte. Ce qui est dans votre cœur, là, priez, c'est-à-dire la plus grande prière qu'un homme puisse avoir dans ce monde-là, c'est de prier pour que Dieu n'enlève jamais l'amour de ton prochain dans ton cœur. Parce que celui qui a l'amour de son prochain aime tout sur la terre. Dieu nous a demandé une seule chose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dieu nous aime malgré notre méchanceté. Dieu nous aime malgré les péchés que nous faisons en longueur de journée. Dieu nous aime malgré les coups bas que nous faisons en longueur de journée. Dieu nous aime malgré la haine que nous avons pour notre prochain en longueur de journée. Dieu nous aime malgré que nous complotons dans le noir, dans le but de pouvoir voir nos frères tomber. Il y a des gens qui complotent dans le but de te tuer. Il y a des gens qui complotent dans le but que ton travail puisse se perdre. Il y a des gens qui complotent dans le but que tu sois misérable. Dans le but que tu sois vraiment quelqu'un de... Que tu ne saches pas où tu vas aller jusqu'à ce que tu vas vouloir te donner la mort. Mais malgré ça quand même là, Dieu les aime. C'est pourquoi il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si moi-même le Créateur Dieu, vous m'avez tourné le dos, et que je continue de vous aimer, ce n'est pas vous, les êtres humains, qui n'allez pas vous aimer en vous-même. C'est le plus grand commandement de Dieu. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Aimez vos enfants. Dites à vos enfants que vous les aimez. Parce qu'un enfant ne donne que ce qu'il a reçu. Personne ne peut partager la haine s'il n'a pas reçu la haine déjà dès le bas âge. Personne ne peut partager la haine s'il n'a pas reçu la haine déjà dès le bas âge. Cultivez l'amour autour de vous. Dites aux personnes avec lesquelles vous êtes que vous les aimez. Ça ne changera rien et ça ne va rien vous enlever. Lorsque tu vois ton ami, dis-lui souvent que je t'aime, mon frère.
Lorsque tu vois ta camarade, dis à ta camarade que je t'aime, ma soeur. Elle va rire, elle va dire arrête-moi tes bêtises là. Mais c'est rentré dans son esprit. Le simple fait que tu lui dis que tu l'aimes, ça va rester dans sa tête, dans son cœur. Elle ne l'oubliera jamais. Dites aux personnes avec lesquelles vous êtes que vous les aimez. Dites aux personnes avec lesquelles vous marchez que vous les aimez. Est-ce que depuis que tu es né là, tu as déjà dit à ton ami que tu l'aimes? Tu as déjà dit à ta meilleure amie que tu l'aimes? Tu as déjà dit à ton papa que tu l'aimes? Est-ce que tu as déjà dit à ta maman que tu l'aimes? Mais tu attends quoi de lui dire? Tu attends quoi pour lui dire que tu l'aimes? Il faut lui dire. Il faut dire à cette personne-là que tu l'aimes. Quand ton enfant rentre à la maison, il faut lui dire, mon enfant, je t'aime. Tu es une bénédiction dans ma vie. Quand tu es assis auprès de ta maman, il faut dire, maman, je t'aime. Quand tu es assis auprès de ton papa, il faut dire, papa, je t'aime. Quand tu es assis avec ta camarade, ton ami, ton cousin, ta nièce, même avec tes collègues, dites à tes collègues que vous les aimez. Cultivez l'amour auprès de vous. Parce qu'il n'y a pas plus grande chose sur la terre que l'amour. Parce que le diable passe que par la haine dans le but de pouvoir vous enlever sur le chemin que Dieu a tracé. Le diable ne connaît que la haine. Le diable ne connaît que le mépris. Le diable ne connaît que le mensonge. Le diable, là, lui, il se nourrit que du mensonge. Il se nourrit que de la haine. Il se nourrit que du mépris. Là où il y a l'amour, tu ne verras pas le diable là-bas. Le diable n'aime pas l'amour. Le diable n'aime pas les coins où c'est joyeux. Le diable n'aime pas voir les gens heureux. Donc quand vous dites aux gens que vous les aimez, il va s'éloigner. Parce que là où il y a l'amour, il y a le Seigneur. Là où les gens sont heureux, Dieu est présent. Là où il y a le bonheur, tu verras Dieu. Là où il y a la prospérité, tu verras Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé ses enfants dans le but que ses enfants viennent souffrir sur la terre. Dieu nous a donné toute la richesse que nous avons besoin de ça. C'est à toi de pouvoir savoir comment faire pour pouvoir rentrer dans cette richesse-là. Donc, entourez-vous des personnes que vous aimez. Des personnes qui peuvent vous aider à avancer. Des personnes qui peuvent vous aider à devenir quelqu'un. La famille, aimez-vous d'abord et emmenez les gens à vous aimer. C'est un message fort que je vous ai lancé cet après-midi. Aimez-vous. C'est très important. Partagez l'amour auprès de vous. C'est très important. N'oubliez pas ce message de fin que je viens de vous donner là. Je n'ai pas crié dans ce message. Je ne suis pas venu attaquer quelqu'un. Mais je suis venu parler à mes frères, à mes sœurs. S'il y a une personne qui s'est sentie visée ou vexée, j'aimerais lui dire que ce message n'était pas destiné à quelqu'un. Mais c'est un message qui m'a été mis en cœur ce matin que je suis venu partager avec mon public. Juste pour vous dire que Dieu existe. Mais la seule manière de voir Dieu, c'est d'aimer vos prochains. Cultivez l'amour auprès de vous. Vous savez, dans la Bible, il est écrit, celui qui te gifle sur la joue gauche, donne-lui la joue droite. Et celui qui te gifle sur la joue droite, donne-lui la joue gauche. Tu te promènes dans la rue et puis quelqu'un marche sur ton pied. Si tu veux te battre avec la personne, si tu veux t'énerver, vous allez faire palabre, malgré que c'est toi qui as raison. Mais tu te promènes dans la rue et puis quelqu'un marche sur ton pied. Et puis toi qui ont marché sur ton pied là, c'est toi qui demandes pardon à la personne. Tu es sûr que la personne aura le courage de marcher sur ton pied encore une deuxième fois? Jamais de la vie. Tu marches dans la rue et puis quelqu'un vient et te gifle. Et puis toi aussi, en retour aussi, tu le gifles. Tu auras donné raison à cette personne que vous fassiez la bagarre. Mais tu te promènes dans la rue et puis une personne te gifle. Et puis la personne qui te gifle, là, toi qu'ils ont giflé, tu lui demandes pardon. La personne va s'arrêter et puis te regarder. Il va dire non, cette personne-là, elle n'est pas normale. Cette personne-là, elle n'est pas normale. Cette personne-là, elle n'est pas normale. C'est pour vous dire dans la vie, celui qui vous fait du mal, donne-lui l'amour. Il n'aura plus aucune raison de vous faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Celui qui vous fait du mal, là, donne-lui de l'amour. Celui qui est en train de te haïr, là, il faut l'aimer dans ton cœur.
Celui qui est en train de te vouloir du mal, là, il faut prier dans ton cœur. Celui qui veut te voir à terre, il faut dire, Dieu, bénisse mes ennemis. Seigneur, cultive l'amour dans le cœur de mes ennemis. Seigneur, fais grandir mes ennemis. Seigneur, donne la longévité à mes ennemis, afin qu'ils puissent voir ce que tu vas faire de moi. Mais si Dieu a enlevé tous tes ennemis sur la terre, là, quand tu vas devenir riche, là, c'est à qui tu vas lui montrer ta richesse? Quand tu pries pour que Dieu n'a qu'à tuer tes ennemis là-haut, si Dieu te fait rentrer dans ta bénédiction là, le jour que tu seras dans ta bénédiction là, c'est à qui tu vas lui montrer que Dieu t'a béni? Mais tu n'auras plus d'ennemis sur la terre. Donc qui pourra être heureux à ta place? Personne. La famille. Donc quand tu t'assois, il ne faut jamais prier pour que le malheur arrive à ceux qui veulent te voir à terre. Mais il faut toujours prier pour que le bonheur arrive à ceux qui veulent te voir à terre. Parce que dans la vie, j'aimerais vous dire ce soir ici, et je vais terminer par là. On dit, c'est ce que nous souhaitons des autres qui nous arrivent généralement. Tu ne peux jamais souhaiter le mal à quelqu'un, et puis toi, en retour, là, Dieu va te bénir. Il faut laisser les gens cultiver la haine. Je dis ici, je ne serai jamais ennemi avec quelqu'un. Les gens seront ennemis avec moi, mais moi, je ne serai pas ennemi avec quelqu'un. Parce que j'ai besoin d'être en paix avec mon cœur, avec mon âme, dans le but de rentrer dans ma destinée. Sur le chemin de la réussite, il n'y a pas de haine. Sur le chemin de la prospérité, il n'y a pas de haine. Sur le chemin de la longévité, il n'y a pas de haine. Sur le chemin du paradis, il n'y a pas de haine. Il n'y a qu'un seul nom, amour. Sur le chemin de la prospérité, il n'y a qu'un seul nom, amour. Donc, je n'ai pas besoin de haine dans ma vie. Les gens seront ennemis avec moi, mais moi, je ne serai jamais ennemi avec quelqu'un. Telle est ma devise. Donc, toute personne qui vous veut du mal, dites que Dieu vous bénisse. Toute personne qui veut vous voir à terre, dites que Dieu les bénisse. Toute personne qui veut vous empêcher de réussir, dites que Dieu les bénisse. Toute personne qui prie en longueur de journée, qui s'en voit marabout, féticheur, qui s'en voit les bandits, dans le but de vous envoyer sur pied sur terre, fléchis genoux et puis dites, Dieu, bénis mes ennemis. Pour qu'ils soient vivants le jour où tu vas accomplir ce que tu dois accomplir dans ma vie. Parce que quand je serai assis à la table des rois, j'aimerais sortir à la fenêtre pour montrer à tous ceux qui n'ont pas cru en moi là, voici ce que Dieu a fait de moi. Mais si ces personnes-là ne sont pas au balcon, mais tu penses que tu vas sortir pour présenter ta gloire à qui? Tu vas sortir pour présenter ta richesse à qui? Tu vas sortir pour présenter ton enfant à qui? Tu vas sortir pour présenter ton voyage à qui? Tu vas sortir pour présenter ce que Dieu a accompli de ta vie à qui? Donc il faut prier pour que tes ennemis vivent longtemps. Pour qu'ils puissent voir de leurs yeux ce que Dieu a accompli dans ta vie. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit veille sur vous, que la paix du Seigneur soit avec vous, que le bon Dieu qui est assis sur son trône, le Dieu d'Isaac, de Jacob et de Joseph, de Moïse, que ce même Dieu-là vous donne la grâce qu'il a donnée à Joseph. Dieu peut accomplir ce qu'aucun homme sur cette terre ne peut accomplir dans ta vie. Il suffit juste de fléchir genoux, de faire évader ton esprit. Enlève la haine dans ton cœur. Enlève la méchanceté dans ton cœur. Il ne faut jamais entendre un merci. Lorsque tu feras du bien à quelqu'un, si la personne ne te dit pas merci, dis-toi que tu fais pour l'amour de Dieu. C'est le merci de Dieu qui est important et non le merci des humains. Parce que les êtres humains peuvent vous trahir, mais Dieu ne va jamais vous trahir. Sur ce, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, votre fils, Agré Stéphane Lumière de Paris, le Apoutou National. Le lien qui est juste épinglé en haut de mon direct là, c'est le lien de ma chanson. Je suis devenu aujourd'hui artiste chanteur. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de votre amour. J'ai besoin de votre force. Personne ne viendra m'envoyer au sommet si ce n'est que vous, mes abonnés. Je n'ai que vous. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de vous dire, si aujourd'hui je suis au stade de ma vie où je suis, c'est parce que j'ai eu des abonnés qui m'ont soutenu. Donc à tous ces mamans qui prient de moi en longueur de journée, de près ou de loin, à tous ces papas qui ne me connaissent pas, mais qui m'aiment dans leur cœur, à toutes ces sœurs qui ne me connaissent pas, mais qui prient pour moi, que Dieu soit au quotidien de votre vie et que tout ce que vous touchez dans ce monde-là se transforme en or et que Dieu exauce même vos désirs les plus fous dans ce monde-là. Parce que Dieu est capable d'accomplir ce qu'aucune autre personne ne peut l'accomplir. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Je vous aime. Merci pour la force. Et puis rendez-vous le vendredi pour la sortie de mon clip officiel qui va sortir. Retenez une seule chose,
n'y a que Dieu qui bénit. En ensemble.